Mais voilà quoi. C'est entre aide-toi et le ciel t'aidera, et puis celle-là, c'est les deux qui sont mes leitmotivs, quoi. Qui sont ancrés dans ma tête. Moi, je suis juif et métisse. J'ai lu un peu la Torah. Et il y a un truc qui m'a fait que j'ai trouvé adorable, c'est qu'en fait, il te donne des principes de vie, en fait. Et ça disait même si tu manges un sandwich, tu peux manger un sandwich, mais même si tu manges un sandwich, il faut que tu manges assis à table, tu vois? Tu vas pas manger en marchant, quoi. Tu vois? Ou en faisant quelque chose. J'avais adoré ça. Et c'est une religion très matriarcale. Donc, évidemment, c'est forcément. Voilà, c'est les frérots, les juifs. C'est les frérots. J'avais bien aimé. Ouais. Ben, il y en a, on va être plus cousins. Mais bon, on est dans un pays judéo-chrétien, terre d'asile. Ouais. Revenons sur le poker. Alors. Mais bon, ça va, je pense que je suis pas allée trop loin dans... Mais bon, le truc de la Torah, ça m'a fait... Enfin, le coup du sandwich, je crois seulement au dieu du poker. Alléluia! Déesse de la chatte. Miaou! Faut trouver des causes rationnelles à l'origine de la qualité de votre jeu. Voilà. Et dans le tilt ou zen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tilt passif. Et tu sais que tu joues pas ton game, mais tu fais quand même les conneries et en te disant. En te disant, je suis en train de faire une connerie, je ne devrais pas faire ça, et bien je la fais quand même. Tu vois? J'ai besoin d'une petite pause. Attends, je vais vous mettre de la musique. J'ai pas mis de musique. Attends. Attends, j'arrive. 2 minutes. J'arrive.
Voilà. Je vais faire une petite pause friandise. Ça c'était un conseil de Peanuts que je trouvais bien.